Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où, comme l'autre fois, je vais vous annoncer les arbitres de la 34e journée de Ligue 1. Avec quelques choix assez contestables, notamment le choix Lens-OM et le choix de l'arbitre pour cette rencontre, d'où je viens de faire une vidéo et que vous pouvez aller la voir. Comme vous le savez, il y a eu des rencontres qui ont été décalées en milieu de semaine cette semaine-là. Lens ce soir contre Toulouse. Et Nantes demain contre Brest. Du coup, la 34e journée débutera pas vendredi, mais samedi. Avec notamment à 17h un match entre Nice et Rennes, où l'arbitre principal sera Willy Delageau. Les arbitres qui accompagneront Willy Delageau sont Philippe Jeanne et Aurélien Drouet. Quatrième arbitre, Pierre Lega. Et les arbitres à la VAR, Alexandre Castro et Abdelhi Chaoui. Il y aura un deuxième match, samedi à 19h, le LOSC qui se déplace à Reims. L'arbitre de cette rencontre sera Thomas Léonard. Les arbitres assistants sont Erwan Fingean et Stéphane Torregrossa. Quatrième arbitre, Ahmed Taleb. Et les deux arbitres à la VAR, Jérémy Pignard et Karim Abed. Enfin, samedi à 21h, le match, le choc entre Lens et l'OM. Samedi 21h. L'arbitre de cette rencontre, comme je vous l'ai dit, sera Clément Turpin. Les arbitres au VAR seront Jérôme Brizard et Wilfried Bien. Le quatrième arbitre sera Eric Watelier. Et les arbitres assistants seront Nicolas Danos et Benjamin Page. Enfin, la 34e journée se poursuit dimanche, avec Angers qui est déjà condamné à la Ligue 2, qui veut bien finir leur dernière saison dans l'élite avant de rejoindre la Ligue 2. Ils reçoivent l'AS Monaco dimanche à 13h. L'arbitre de cette rencontre sera Jérémy Stinat, les arbitres assistants Christophe Mousset et François Baudican, quatrième arbitre Edgar Barreton et les arbitres VAR Wilfried Bien et Mehdi Mokhtari. La 34e journée se poursuit par le multiplex avec Ajaccio-Toulouse, Auxerre-Clermont, Lorient-Brest et Nantes-Strasbourg. Première rencontre de 15h, Ajaccio-Toulouse, l'arbitre de cette rencontre sera Florent Bata, les arbitres assistants seront Alexis Auger et Elwange Ochak. Les arbitres VAR seront William Lafis et Elodie Coppola. Et le quatrième arbitre sera Eddy Rosser. Deuxième rencontre de 15h. Clermont qui se déplace à Auxerre. Clermont qui a déjà acté son match en Ligue 1. L'arbitre principal sera Marc Bollinger. Les arbitres VAR seront Bruno Coup et Stéphane Bray. Quatrième arbitre Romain Delpech et arbitre assistant Alexandre Viala et Bastien Courbet. Lorient-Brest, le derby breton. L'arbitre principal sera Benoît Millot. Les arbitres assistants seront Mathieu Grosbotz et Julien Aube. Quatrième arbitre Arnaud Baer et les arbitres VAR Johan Roisnard et Karim Abed. Ensuite, Nantes-Strasbourg. L'arbitre principal de cette rencontre sera Benoît Bastien. Les arbitres assistants seront Hicham Zahrani et Aurélien Berthomeu. Quatrième arbitre, Aurélien Petit, et les arbitres VAR, Michael Berchemé-Burou et Stéphanie Frabart. Avant-dernière rencontre, Lyon qui reçoit à domicile Montpellier dimanche à 17h05. L'arbitre de cette rencontre sera Bastien Dechépy, les arbitres assistants Brice Parinet-Letellier et Julien Holbert. Les arbitres VAR seront Dominique Julien et Christian Quilliard, et le quatrième arbitre, Benjamin Le Paysan. Enfin, le Paris Saint-Germain qui clôture la 34e journée en déplacement au Stade de l'Aube à 3, dimanche à 20h45. L'arbitre de cette rencontre sera Rudy Buquet, les arbitres assistants Guillaume Debar et Gwenaël Pascalotti, quatrième arbitre Guillaume Paradis, et les arbitres VAR Hamid Guenaoui et Elodie Coppola.